Bonjour, je m'appelle Souville. J'ai 9 ans, je suis au CESAD. Moi et ma maman, on a fait un groupe de famille. On a fait les jeux de société. On a fait le lynx, le jeu de Charlie. Et aussi, Trouver les différences. trouver les différences aussi. Et aussi, on a fait une planète et aussi on a lu une histoire, l'éléphant aveugle. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la planète que tu as faite? On a fait une planète, on a construit une planète, on a fait une histoire. Et aussi, Tu as fait une planète avec qui alors? avec tous les autres, Ouais. avec Mathilde, Camille, et aussi les familles. Oui. Quand on n'arrive pas, on travaille tous ensemble. Voilà. Même si on est différents. Comme on est différents. Tu voulais nous poser une question, je crois, pour terminer, Swill. Pour terminer. Tu voudrais demander aux gens, eux, Eux. qu'est-ce qu'ils feraient? Qu'est-ce qu'il faudrait pour la discrimination? Bonjour, je m'appelle Raphaël Mouda Fonseca, j'ai 10 ans. Je suis au CESAD. Quel travail tu as fait au CESAD? Sur la discrimination. Ok, super. Et des jeux avec des clés et un tableau de clés. D'accord. Donc, comment tu as fait pour trouver ces clés? Tout simplement en travaillant en équipe et en étant courageux. Ok, très bien. Donc, en fait, vous avez gagné des petits jeux. Et une fois que vous avez eu ces jeux, cela vous a donné droit à avoir des clés, c'est ça? Super. Et donc, ces clés, où est-ce que vous les avez mis? On les a mis sur un tableau de clés. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur ces clés? Solidarité, discrimination, regard. Très bien. C'est des mots dont tu te souviens en tout cas. C'est très très bien, merci. Et alors ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? En groupe, il me semble. Oui, en gros, on a travaillé sur un dessin. Moi, j'ai fait un monsieur qui était souriant et une prison. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente le regard des autres. D'accord, qui est parfois difficile alors. Oui. Ok. Mon fils est au CESAD au Paray-Monial, où nous avons pu réaliser différents petits ateliers sur la différence. Aujourd'hui, je vais vous présenter un atelier que j'ai réalisé avec mes enfants et d'autres familles. Passe par le regard et peut avoir un impact sur l'individu. Il y a le regard de l'enfant neutre, tolérance, sans jugement, ne voit pas la différence de l'autre. C'est l'enfant qui accepte le mieux, sans arrière-pensée. Le regard qui te rend heureux. Un enfant sans jugement, avec tolérance, spontanéité, contrairement aux adultes. Le regard, je te juge pas. Je te comprends sans te comprendre. Peur de te faire mal, peur des reproches. La délicatesse peut devenir un mal-être, sans action. Le regard qui te rend triste, que tu te sens rejeté, pas à la hauteur, pas accepté. Du coup, manque de confiance en soi. Le regard qui te rend en colère, pensée maladroite, rejeté, peur des gens, l'indifférence, l'incompréhension, le mal-être.
nous avons pu partager avec les enfants et les familles. Le seul message qu'on peut vous dire, changez votre regard, acceptez l'autre en personne ordinaire et non en personne handicapée. Faites-lui oublier sa différence.